coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais remercier Michel de m'avoir envoyé un colis qui devait contenir 2-3 bricoles. Quand je vais vous montrer la taille du carton, c'est pas 2-3 bricoles à mon avis. Et je lui ai demandé si elle voulait que je l'ouvre en vidéo et elle m'a dit si tu veux. Donc je pense que la meilleure façon aussi de la remercier, c'est voilà, c'est de partager avec vous parce que j'ai trouvé l'attention plus que gentille et adorable. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais ça sent super bon et le carton est gigantesque. Enfin, pour 2-3 bricoles, je trouve que c'est énorme. Donc, je suis impatiente de l'ouvrir. Donc, je suis partie. Alors je vais vous montrer en même temps. Donc, elle a mis du papier de soie comme ça. Super joli. Il y a une petite carte et un petit mot. Et les produits super bien emballés. T'as fait ça comme un chef. Alors, je vais poser ça sur mes genoux et je vais vous lire ce qu'il y a marqué sur le petit mot. Coucou Gaëlle, sois indulgent pour la carte, c'est du fait main et vraiment pas doué. Bon bah ça on verra quand je vais l'ouvrir, hein. faut pas se diminuer comme ça, c'est pas bien. Dans le petit sachet, il y a des petits masques en tissu à tremper dans une lotion ou un hydrolat. Plein de gros bisous Michel. Ah là tu m'intrigues là. Dans le petit sachet, bon, on verra ce qu'il y a dans le petit sachet. Et donc la petite carte, juste le plaisir d'offrir, gros bijou Michel. D'accord, et donc tu trouves que t'es pas doué. Donc je vais vous montrer pour quelqu'un qui n'est pas doué. Regardez-moi ça. J'espère que vous le verrez bien parce que c'est franchement très joli. Et alors il y a un petit cœur, il y a un petit mot, un petit nœud, pardon, je vais y arriver. Franchement, moi je trouve ta carte superbe. Ah, excellent, à l'intérieur, on me voit. Tu as mis le hashtag Team Nicole, c'est super gentil. Et donc tu m'as marqué, alors c'est imprimé là, sur le côté droit. Coucou Gaëlle, juste pour te dire merci. Quelques petites choses qui j'espère te feront plaisir, mais bien sûr ça va me faire plaisir. Moi un œuf Kinder ça me fait plaisir, donc forcément un cadeau et un colis énorme ça me fait encore plus plaisir. Donc quelques petites choses qui j'espère te feront plaisir, dont une marque que tu affectionnes je pense. Je t'envoie plein de bisous Michel. Et ben moi aussi Michel je t'envoie plein de bisous pardon. Et je te remercie d'avance parce que c'est une attention qui est juste je sais pas, j'ai pas de mots. Donc c'est parti. Alors tout est bien emballé. Oh mon dieu. Allez, je vais les prendre un par un. Alors, ce sont des vernis de la marque Ciaté, je pense. Alors, il y en a un. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure. Il y en a un d'abord de la marque Sephora, qui est comme ça. C'est le... Je sais pas si c'est marqué quelque part. Je suis pas sûre. Je trouve pas. Enfin, c'est un vernis un peu caméléon avec des reflets bleus, verts. Il est superbe. Hein. Ah bah c'est marqué là. Oh là là. C'est Walk on the Wild Side. Vous avez vu cet accent? Je progresse. Hein. Donc ça, un vernis, plusieurs vernis. Alors, les vernis de la marque Ciaté, j'en ai que 2 ou 3. Et pour tout dire, Michel, j'ai jamais pris le temps de les porter. Donc là, ce sont des je pense que c'est des mini vernis, ceux-là. Ils font 5 ml. Voilà, c'est marqué mini Ciaté dessus. Et il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a juste 5. C'est juste 5. Alors, le premier, c'est le Life's a Peach. Donc, qui est super joli. À mon avis, pour l'été, ça, c'est top. Je vais les poser là. Ensuite, on a un vernis. J'ai un petit peu de transparent avec des paillettes blanches et noires. C'est le Check Matte, donc je suppose qu'il est mat. Il est super joli. Et il y a un violet, donc c'est le double bubble gum qui est comme ça, qui est superbe aussi. Il y a un rose un peu plus flashy, c'est le Raspberry Collins qui est comme ça. Moi, c'est comme j'aime pas les vernis, ça peut me faire que plaisir. Et le Awa Sailor, qui a un genre de bleu-vert, mais vous savez, une tendance pastel. Et je pense qu'à dégrader de ces trois-là, ça doit être top.
Je pense qu'un dégradé de ces trois-là, ça doit être top. Donc je vais essayer ça. Je vais jeter au fur et à mesure le papier bulle. Oh mon Dieu. Et je sais pourquoi je rigole. Parce que il y avait une vente il n'y a pas longtemps chez Inagès sur beauté privée et je me suis dit bon allez. Oh, puis je dis non, j'en ai déjà plein. Je dis non, j'arrête. Et tu as lu dans mes pensées, hein, parce que ça, c'est que des chai inagles. Juste pour regarder le nom, je sais parce que je connais la forme du flacon. Je vais les enlever de là, je vais les poser dedans. Oh mon Dieu, t'es folle. Il y en a 5 aussi. Et alors, il y a le Golden Meringue, hein, qui est comme ça, qui est un vernis à reflets, je pense. Qui est juste magnifique. Oh là là. Il y a un rose qui s'appelle Rich and Famous. C'est celui-là. Alors je sais pas si c'est si tu as trouvé ça sur beauté privée, mais moi je me suis retenue. Donc tu as lu dans mes pensées. Ensuite il y a le Reggae to Rich qui est un violet rose avec des reflets de malade. Enfin c'est une tuerie. Il y a un rouge alors qui fait aussi des reflets de malade, c'est le Long Kiss qui est comme ça, qui est juste magnifique. Puis alors moi les Shinagas c'est mes chouchous. Et le dernier c'est le Drap in Velvet, donc qui est un violet, donc tu me connais bien. Et franchement ils sont magnifiques. Franchement ils sont magnifiques. Et là je suis en train de voir ce qui sent dans le fond du carton. Je sais pas si vous le verrez. Je suis en train de voir ce qu'ils sont dans le fond. Mais je vais attendre. Oh mon Dieu, il y en a plein en plus. Il y a encore un autre sachet. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être des désinfectants pour les mains. Je pense. Vous voyez, c'est ces petits flacons-là. Tu les as scotchés pour pas qu'ils s'ouvrent. Tu as eu raison. Donc, c'est la marque Bath & Body Works. Vous avez vu? Je progresse en anglais. Donc, le premier, donc c'est un antibactérien. Hein. Donc, c'est à la fraise, c'est Fresh Strawberry. Alors, je vais enlever le scotch et je vais sentir. Un vernis, ça sent un vernis, mais là, je vais sentir. Ça sent bon. Ça, c'est bien parce que j'en ai pas beaucoup et pour mettre dans le sac, c'est pas mal. Et je t'avoue que ces derniers temps, comme on s'est rendu plusieurs fois à Paris, dans le métro, c'est peut-être pas toujours nickel propre et ça m'a manqué de pas me laver les mains plus souvent. Surtout à chaque fois que je touchais un truc, j'avais pas lavé moi-même avant. celui-là, c'est le Caribbean Escape. Donc, je dirais noix de coco et orchidée, je pense. Oh, ça sent bon le frais. Oh, ça sent bon le frais. Merci, hein, Michel, c'est génial. Et le dernier, c'est Island Margarita. Donc, je vois le dessin d'un citron. Donc, moi qui aime ces odeurs là. Oh, ça sent bon. Je vais en mettre celui-là. Ah, oh, ça sent bon le citron vert. Ah, oh, puis c'est frais quand on l'applique sur les mains. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Ça sent bon. Ah, oh, merci, merci Michel. C'est une super bonne idée ça. Ensuite, je terminerai par ce qui sent bon après. Donc, je prends le fameux petit sachet donc, dans lequel tu me mettais sur ton petit mot. Donc, je vais le reprendre. Donc, que c'était des petits masques en tissu. Dans le petit sachet, il y a des petits masques en tissu à tremper. Ça, il faut que je te demande ce que c'est quand même. Parce que ça m'intrigue. On dirait des pastilles à sucer, vous savez. Enfin, je vais éviter de les manger. Je ne sais pas si ça va sentir quelque chose. Alors, c'est emballé dans un plastique. Ouais, maintenant, j'en ai mis sur les mains. Je trouve que ça sent rien. Je vais te demander. Et puis, je vous le mettrai en barre d'infos ce que c'est quand je lui aurai posé la question. Mais ça, pourquoi pas? Parce qu'il y en a pas mal dedans en plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois. Ou 10, quelque chose comme ça. Ensuite, donc, je vais vider ce qui reste dans ce super méga carton. Pour 2-3 bricoles, on n'a pas la même notion de bricole, je crois. Donc, j'ai des votives Yokin, tout Yankee Candle, je crois bien. Et, alors, il y en a 5. C'était complètement folle. La première que je prends, c'est la Red Apple Wreath. C'est la senteur couronne de pommes rouges. Alors c'est cette odeur, vous savez, très épicée pour l'hiver. Mais j'aime bien, ça sent bon.
Ensuite, on a la Snowflake Cookie qui est rose comme ça. Donc, c'est flocon sucré. Alors, ça va me plaire. J'adore tout ce qui est odeur sucrée. Alors, ça sent bon. Mon Dieu, ça sent bon. Ensuite, on a celle-ci qui est la Macaron Treats. Donc, macaron gourmand. Alors, ça doit sentir les gâteaux. Ah, donc, cool, les senteurs se sont un peu mélangées. Je sens pas bien, mais ça sent très bon. Ensuite, on a la Star Anis et Orange. Donc, anis étoilé et orange. Oh, ça sent bon l'anis. Alors, j'aime pas le ricard ou le pastis, mais j'aime bien les odeurs d'anis. Et la dernière, c'est la Berry Trifle. Donc, Trifle au B. Et ça, à mon avis, ce sont les fruits rouges. Ah, oh, c'est génial. Mon Dieu, mais c'est ça que t'appelles 2-3 bricoles, tu te rends compte? Oh mon Dieu, enfin je te remercie parce que c'est une super belle attention. C'est que des choses que j'aime, c'est juste génial. C'est juste génial. Donc Michel, je te remercie 1000 fois, tu es adorable. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est bien de te remercier de, entre guillemets, de vive voix, comme je ne peux pas te voir. Pour te faire à la rigueur un gros bisou pardon et te remercier de visu, voilà, bah, je le fais comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que voilà, vous méritez un merci. À chaque fois vous m'envoyez une petite bricole, même si c'est qu'une carte, comme je l'ai fait précédemment pour les fêtes. Voilà, je trouve ça très gentil de votre part, vraiment je vous remercie. Et c'est merci Michel un millier de fois, parce que là je suis pourri gâtée. En plus je suis en mode no buy entre guillemets pour tenir ma promesse. Donc là j'en ai encore plus à essayer. C'est cool. C'est mon mari qui va bouder, parce qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose. Là, je peux plus ranger mes vernis, j'ai plus de place. Donc, et là je vais en avoir encore moins dans le coup. Donc ça va être compliqué. Enfin voilà, je te remercie mille fois Michel. C'est une très belle attention. Tu es adorable. Je sais pas quoi dire d'autre, je suis vraiment très touchée et c'est juste génial. Donc je vais clôturer là. Je te fais évidemment plein de bisous. Je vous fais aussi à tous plein de bisous. Je vous remercie d'être là, de votre soutien, de tout ce que vous m'apportez. Et puis évidemment je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.